Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender sur la chaîne Blender Coach de YouTube. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modéliser simplement un verre avec Blender. Donc pour modéliser le verre, nous allons utiliser le cube de base. Nous le mettons sur la grille. Nous allons aller dans les modifiers, donc la clé à molette. On clique sur la clé à molette, Add Modifier. Nous allons effectuer une subdivision surface comme ceci. Donc nous avons un objet, le cube s'est transformé en fait en une forme quelque peu sphérique. Donc pour créer le verre, nous allons augmenter la subdivision. Donc la forme devient de plus en plus sphérique. Nous allons ajouter un smooth afin de ne plus voir toutes ses faces, afin de les lisser, comme ceci. Donc maintenant, nous avons une forme vraiment sphérique, mais si on passe en mode edit, on voit que le carré existe toujours. Les vertices sont toujours ici. Ça n'a pas changé la forme de base du cube. Ça l'a seulement sphérisé. Donc, par exemple, si on déplace un vertice, ça modifie la sphère centrale créée grâce à l'outil Subsurf. Hein? Donc maintenant, nous allons créer des séparations. Donc CTRL R, comme ceci. Donc clic gauche pour valider. Et nous allons créer une séparation en partie haute, puis une séparation en partie basse, afin de rendre le modèle plus rectiligne. Donc nous allons ensuite sélectionner toute la partie basse de l'objet, comme ceci. Donc oui. Par contre, je vais décocher cette option qui permet justement de sélectionner les vertices qui se trouvent derrière l'objet, contrairement à ce que j'avais fait. Comme ceci, nous avons sélectionné tous les vertices en pourtour de l'objet. Nous allons passer en vue de côté. Touche 5 pour passer en vue orthonormale, ce qui permet de faire une modification dans un seul plan, comme ceci. Et donc nous allons sur le bouton S afin de créer la forme du verre. Ceci. Donc maintenant, nous allons créer l'intérieur du verre. Comme on le voit ici, le verre est plein. Nous allons passer en vue de dessus. Nous allons tout désélectionner avec la touche A. Et nous allons sélectionner. Nous allons passer en mode face, ça va être plus facile. Donc nous allons passer en mode face. Nous allons sélectionner la face du dessus, comme ceci. Nous allons extruder, puis supprimer l'extrusion en faisant échappe. Et ensuite, nous allons redimensionner. Ce qui permet de faire une redimension à l'intérieur de l'objet, comme ceci. Redimension. Nous passons ensuite en vue de côté, touche 3 du pavé numérique, et nous allons faire une extrusion vers l'intérieur de l'objet. Extrusion, comme nous pouvons voir, qui dépasse les côtés du verre. Donc pour cela, nous cliquons encore sur le bouton S afin de redimensionner vers l'intérieur. Nous déplaçons légèrement vers le bas. Nous repassons en mode objet. Comme ceci. Voilà. Nous avons modélisé notre verre. Donc voilà, c'était tout pour cette modélisation simple d'un verre avec Blender. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même à dire que vous aimez cette vidéo. J'ai remarqué il y a peu de temps, je sais, ça fait longtemps que ça existe, on m'a dit, mais que vous pouvez cliquer sur un pouce vers le haut, en fait, pour dire que vous aimez ou si vous aimez pas. Voilà. Donc c'est pour avoir un retour de votre part. Merci.